Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous présenter la ville abandonnée du métro de Kyiv. Ce sont d'énormes compartiments et tunnels de l'époque de la guerre froide pour la direction de l'Ukraine communiste à l'époque soviétique. J'ai pris d'informations sur leur site Urbex Tour. Je laisserai un lien vers ce site. J'écris « Abandonnée ville ». Non pas parce que c'est une phrase à la mode de nos jours, mais parce que c'est l'impression que c'est un droit fait, perdu dans le temps et dans l'espace, oublié du pays et des habitants. Un immense bunker est inondé d'eau souterraine. Personne ne vient ici, pas même les travailleurs ne viennent ici depuis des années. Ils dédaignent d'errer parmi le fer rouillé et les planches pourries. Dans la lumière rouge de la torche, vous pouvez voir combien de temps les stalactites suspendues au plafond ont attendu. L'objet est énorme. La hauteur des tunnels atteint 12 mètres. Et tout cela est profondément sous terre. Le endroit incroyable. Il s'agit d'un tunnel pour le personnel ordinaire, inhabituel, et c'est qu'il a peu près la taille d'un tunnel de métro. Il y a un bunker abandonné similaire à Moscou. C'est le soi-disant ZKP Tahansky. Il a été construit il y a 50 ans dans les années 1970. Il a commencé à être modernisé, mais est resté abandonné. Il avait donc une énorme installation souterraine qui tombait lentement en ruine jusqu'à ce qu'elle soit rachetée par une entreprise privée. Et en 2006, le musée de la guerre froide a été ouvert. Dans notre cas, tout sera probablement abandonné au-delà de toute reconnaissance puis détruit. Portrait de groupe, un tunnel de 12 mètres de haut, ce qui est un record pour le métro de Kyiv. Un tunnel est de forme ovale et est conçu pour 4 étages. Autrement dit, des chevauchements sont placés et 4 niveaux du bunker sortent, chaque des 3 mètres de haut. La photo montre comme le bloc de 12 mètres est progressivement inondé d'eau souterraine. Une petite planche au centre du cadre est un développement d'un diamètre de 4 mètres. C'est le cas pour l'échelle afin que chacun puisse le comprendre par lui-même. Les portes massives pressurisées sont en train de pourrir dans leur siècle jamais commencé. L'air est humide et chaud ici. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Abonnez-vous, mettez like, j'ai besoin de votre aide. Au revoir.